Hi everyone, Julie here. Today I'm doing another listening exercise in French. So today we are talking about the morning routine. So I made a little text about a morning routine. It's not specifically mine, it's just a morning routine. And the first time I'm going to read it, I will speak like I speak with, you know, other French speakers. So pretty fast and squishing all the words together and in a less textbook way. Okay, so don't expect to understand every single word. You should set the expectation of catching a few keywords, understanding the gist of what I'm saying. Okay, then I will show you some questions on the screen, and then the second recording I'm going to reread it, you know, pretty slowly and enunciating a lot, and yeah, trying to make it a bit clearer for you. So hopefully you should understand a little bit more in the second recording. All right, let's start. Je me réveille tous les jours à 6 heures. La première chose que je fais, c'est d'aller aux toilettes et méditer. Ensuite, je sors en pyjama, acheter un petit déjeuner au supermarché. J'adore marcher le matin quand tout est calme et j'aime beaucoup la lumière du matin. Je mange souvent de la brioche ou des gâteaux. Parfois, je me fais des œufs avec des tartines. Ensuite, je me brosse les dents et je m'habille. Je me douche jamais le matin, car ici, il n'y a pas d'eau chaude et je déteste me doucher à l'eau froide le matin. Donc, je me douche le soir. Ensuite, je mets un peu de musique et je réponds aux mails, aux commentaires sur YouTube. Et puis, je commence les cours à 8 heures. Je me réveille tous les jours à 6 heures. La première chose que je fais, c'est d'aller aux toilettes et méditer. Ensuite, je sors en pyjama, acheter un petit déjeuner au supermarché. J'adore marcher le matin quand tout est calme. Et j'aime beaucoup la lumière du matin. Je mange souvent de la brioche ou des gâteaux. Parfois, je me fais des œufs avec des tartines. Ensuite, je me brosse les dents et je m'habille. Je ne me douche jamais le matin car ici, il n'y a pas d'eau chaude et je déteste me doucher à l'eau froide le matin. Donc, je me douche le soir. Ensuite, je mets un peu de musique et je réponds aux mails, aux commentaires sur YouTube. Et puis, je commence les cours à 8 heures. Okay, that's it for the exercise. I hope you liked it. I hope it was useful. Let me know, because I used a couple of reflexive verbs in there. Let me know if you would like to talk more about them, make more exercises with them, because I know they can be quite confusing for a lot of English speakers and, you know, foreigners in general. So yeah, let me know if you'd like to learn about that or anything else, and I'll see you in the next video. Bye.